Et bonjour. Bonjour, bonjour, Comment ça bonsoir. va? Ça va bien? Ça va. Ça va. Monsieur Gadgat, comment allez-vous? Le guette, il est là sans être là, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi. Bon, écoutez, bon. Du coup, toi, tu vas continuer ce que tu faisais la dernière fois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Maintenant qu'on a le bouton qui marche bien, il faut juste qu'on généralise sa gestion. D'accord. Quant à moi, Oh. bah du coup, je vais écrire les concepts de héros ou même en faire, continuer à en faire, pour continuer sur la lancée. Ce sera pas mal. Du Et coup, bonsoir. ah bah salut Ah. Gadgat. Il y avait ma prise d'IAC qui était mal branchée. Ah, Ah, voilà. voilà, c'était Le donc ça. fameux. Le branchement qui casse-couille. Au début, t'étais mute, je me suis dit, bon, il veut Ouais. pas me parler, très bien, qu'il aille se faire foutre, et puis. Et puis Je sais après, pas t'étais pourquoi plus j'étais muté, ça mute. marchait pas plus. J'ai pas compris pourquoi j'étais mute, mais très bien. Alors. Comment ça, Gagnette? Parce que bon, du coup, t'étais pas là. T'étais là sans être là. Oui. Eh ben ça va très bien. C'est bientôt la fin de la semaine. C'est vrai, ça, c'est bien, ça. Et ça, C'est c'est fort qualité, ça. agréable. Ouais. C'est vrai que ça peut être pas si mal que ça. Première semaine de septembre. La C'est rentrée. déjà trop long. On attendrait les vacances de Noël. ouais, du coup, faut qu'on taffe le contrôleur du bouton là. Faut que Oui, je me tout à remette un peu fait. dans le coup. Je suis perdu. Du coup, les inputs, c'est le menu contrôleur qui va les avoir. Putain, et là, j'étais malin, j'ai appelé le base contrôleur et pas base menu contrôleur. On pourra utiliser cette classe pour être la base des contrôleurs de boutons. Des widgets, ouais. Mais je pense que du coup le bouton contrôleur faudrait qu'il ait les inputs aussi. Faudrait lui transférer les inputs, non? Ou alors tu veux abstraire ça au niveau du menu contrôleur? Après le truc, alors faut que je regarde comment ça marche les inputs. Ça en bas, ouais, je fous. En gros, tu dois te register pour une action. Parce que du coup, si t'as plusieurs boutons, tu vois, faudrait que tu registres chaque bouton. Ouais. Pas forcément dramatique en soi, mais je pense pas que ça prenne énormément de place. Parce que du coup, tu veux faire les boutons contrôleurs, t'en auras un par bouton. C'est pas un seul bouton contrôleur qui gérera tout. Ouais, non, je pense que ce sera un par bouton en fait. Enfin, Ok. quoi qu'en fait, non, maintenant en fait, vu que le statut il est dans les boutons, il pourrait gérer tous les boutons à la fin en fait. Ça, je vois un peu ça comme un système dans un ECS, tu vois. Ah, C'est je déjà une vois le première bouton idée que pour faire j'avais. GTS. À faire un ECS de du UI. Ah, ça commence à ressembler à ça, en vrai. Mais après, les deux approches sont valides, je pense. En fait, le truc, c'est que si il gère tous les boutons, pourquoi pas, mais qui c'est qui lui dit quel bouton il doit gérer? Et quelle durée de vie là? Parce que tu vois, du coup, sa durée de vie, elle serait liée à celle du menu contrôleur, a priori. Ouais, bah il faudrait que le menu, quand il s'initialise, il enregistre les boutons et quand il les détruit, il désenregistre les boutons, quoi. Ouais. Du coup, il y aura une durée de vie extérieure au menu contrôleur, quoi. Non, c'est du Redis. Ah, le. Oui, le Le bouton de bouton. contrôleur. Eh bah, ça dépend. Tu peux aussi l'instancier dans le menu, le contrôleur. Et dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin de faire le désenregistrement. Tu aurais juste à faire l'enregistrement et puis
C'est le bouton contrôleur qui désenregistre dans son destructeur. Hop, hop, hop. On va déjà faire le bouton de contrôleur. On met le fichier. Se battre. Battre parce que quand on a fait de la merde, je vérifie si j'ai déjà commis ce que j'avais fait la dernière fois. Le dernier, c'était le numéro 26, on a dit. Oui. Le déflux, putain de ding, et... Bordel, intégré au menu. Ok, on va pouvoir foutre le bordel parce que je commençais à faire une classe, puis au final je me suis souvenu que les contrôleurs c'était pas des classes, c'était des structures. Quand on avait dit, c'est de la merde parce que bah y a de la logique dedans, c'est pas une structure. Du ouais. Coup, bon, voilà, le branle-bas de combat. Refacto. Refacto surprise. le menu flow contrôleur, alors lui je sais plus ce que c'est. C'est une structure. Une classe, on dit. Une classe. Hop, monsieur Damien, c'est fait. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre les classes et les structures. Non, non, bah la seule diff c'est le
si c'est public ou privé par défaut, quoi. Ouais, sinon, ça, globalement, c'est ça. Tout à fait. Du coup, ça va se demander pourquoi c'est encore là. Enfin, si c'est de la rétro-compat de C, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est une réflecto normalement assez calme. Coucou et Jude. Salut Jude. Comment ça va? Hello. Comment ça va? Putain, j'ai réussi à pas compiler. Yes. Bon, je fais ça. Merde. Tac, 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 tac. Base widget was previously declared. Ah, j'ai changé un base widget au lieu d'un base contrôleur. Quoi? Sauve, sauve. Sauve, sauve. Contrôleur. On continue. Bah oui, c'est lui. Voilà. J'ai réussi une foire. Quoi de neuf? Tout se passe bien pour toi? Chocolat. Ouf. Après, les pâtes aux poulpes. Non, alors en fait, non, il y a une explication à tout ça. Je vais vous expliquer. Ouais, on a besoin d'explications là. Parce que, en fait, Jude m'a envoyé en MP sur Discord une aberration qu'elle avait trouvée sur Instagram. Et visiblement, ce sont des pâtes au chocolat. Tout est chocolat, hein. La sauce est au chocolat fondu, les pâtes en question sont visiblement faites en chocolat ou je sais pas quoi. Et les mecs rajoutent des marshmallows, des conneries comme ça. Le truc, je suis sûr, c'est indigeste tellement que ça doit être over sucré. Genre, tu manges ça, directement tu deviens... Merde, t'es atteint de... Diabétique. Ouais, tu deviens diabétique, de ouf. Mais mec, c'était un truc de ouf. J'étais là en mode genre, ouf. Mais du coup, c'est plus des pâtes, quoi, c'est un dessert avec ouais, un peu de pâtes. Non, mais vu le plat, c'était un truc de monstre. Tu sais pas si c'est un plat ou un dessert, en fait. Enfin... Ah, mais c'est tout noir et tout. Et oui, comme tu dis, Jude, ils auraient pu faire un effort pour faire une sauce aux fruits, mais... Non, mais c'est horrible. Après, c'est juste, du coup, des pâtes cuites avec du chocolat. Non, non, c'est des pâtes en elles-mêmes, en fait, ce sont des espèces de trucs faits en chocolat aussi. La pâte de la pâte. Ah oui, d'accord. Ou en sang en chocolat, quoi. Ouais, mais sauf que c'est pas chocolat en mode genre... comment dire, genre tu fais cuire ça, ça y est, ça fond, tu vois. Non, c'est des, tu sais, je pense que c'est une pâte qui ont mélangé avec du chocolat, tu vois, histoire que ça soit fait en choco. Mais bref, ça doit être méga lourd. Après, j'ai rien à dire parce que je suis quand même le gars qui s'est tapé un espèce de burger sucre. N'est-il pas eu l'or? Oui. Bon, après, ça pour le coup, ça se fait. C'était un dessert. C'était un dessert. Après m'être tapé un burger, visiblement, c'était une espèce de brioche qui se présentait comme un burger, sauf qu'à l'intérieur, c'était de. Alors, du coup, c'était du fruit rouge. Un donut burger. Ouais. Du coup, ça passait, quoi. Ouais, avec des fruits mélangés à du gros Nutella sa mère, avec de la chantilly. Bref, c'était un bordel. Et tu bouffais ça comme un burger. Enfin, bref, c'est. Donc, c'est pour ça. J'essaie d'être sympa, je dis rien, quand même. Hop. Personnage sauvegardé. Ah, tac, tac, tac. Mais oui, c'était immonde, hein, le truc, hein. Faut pas déconner, quoi. C'est... Mais en tout cas, le truc Instagram, c'est qu'il te le présentait, mais tu sais, pas ironiquement, tu vois, c'était vraiment en mode genre, hey, c'est bon ou pas, tu vois. C'était vraiment présenté comme ça, et c'est ça qui était dérangeant, parce que ça avait vraiment l'air mais copieux et dégueulasse à la fois. Et des gens étaient là en mode genre, oh mon dieu, mais ça a l'air trop bon. Mais ça a l'air trop bon. Diabète. Merci Jude, hein, pour ce partage pas du tout nécessaire qui m'a filé le diabète. Rien qu'en le regardant, tu sais. Ah, c'est beaucoup quand même. Je l'avais écrit ou pas cette fille? Ah bah non, voilà, je vais pas donner tout ça. Ok, très bien. Pardon, monsieur. Tu
Tu vois, Gadget, au final, avec le button controller, on pourra faire un truc pas mal, je pense. C'est qu'on pourra le faire tout seul louper entre les boutons. Sur lui dit ouais. Tous les boutons qu'il doit gérer, on peut lui dire bah là fais juste next en fait. Et, ouais, si tu les définis dans l'ordre. Machin, tout ça. Je vois. Ça pourrait être pas mal ça. Et du coup, si t'as plusieurs sessions de boutons comme ça où tu veux genre segmenter la sélection, du coup tu peux faire plusieurs contrôleurs différents sur plusieurs boutons différents. Ça peut être pratique en vrai. Ouais. Alors. Par contre, du coup, il a juste besoin du putain de widget component, je pense, le contrôle. Contrôleur, parce que du coup j'ai des trucs. Ah, le base contrôleur, il a quand même le get target page. Oh, fou. Ouf, oh putain, elle est PTL. Ça qui est un peu nul. Sinon je cherche une maison. Ah, tu cherches une maison? Ah, carrément. Surenchère. Tu cherches une maison à acheter du coup? Ah, d'ailleurs tiens, c'est vrai, c'est en location ou acheter? Acheter. Trouver la bonne du coup, ça plus compliqué. D'ailleurs, est-ce que c'est plus rentable au Québec d'acheter ou de louer en vrai? Niveau rentabilité, je pense que quoi qu'il arrive, c'est toujours plus rentable d'acheter que de louer. Hein. Ouais, mais tu sais, par exemple, en France, il y en a beaucoup qui le font pas parce que les taxes, parce que ce que tu es obligé de faire, machin, tu sais, tu vois, il y a plein de trucs qui font que bah ça refroidit, mais. Je pense que c'est plus un problème de moyens. Hein. Ça dépend, t'es où? Ok. Et de tes besoins. Bref, comme chez nous, quoi. Merci. Merci, Edjut, pour ces précisions. Du coup... c'est lui qui va enregistrer ses actions ou pas en fait. Il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'acheter et de partir de la ville pour s'installer en région pour faire leur télétravail. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, mais après. C'est pareil en France. Hein. Ouais, mais tu sais, d'ailleurs, cette histoire tu vois, de parier sur le fait d'aller en télétravail et tout ça. Mais une fois que la pandémie sera peut-être passée, ils vont faire comment ces gens-là, vu qu'il n'y aura plus de télétravail peut-être? Mais ça dépend de quelle boîte. Oui, c'est ça. Des boîtes qui vont garder le télétravail et d'autres qui vont pas le garder, quoi. Ouais, c'est ça. L'astuce, c'est que la pandémie ne sera pas passée. This is where you're wrong, kiddo. Du coup,
coup, le prix des maisons est trop élevé pour le prix que ça devrait être vendu. Bah oui, c'est forcément. Les lois du marché, tout ça, la rareté. C'est bien chiant. Coucou Monolith. Comment ça va Monolith? Pourquoi j'ai parlé comme ça moi? C'est bizarre. J'avoue pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre Norse. Ah bah, j'ai toujours été un peu bizarre selon certains. Je bug complètement sur ce que je dois faire, c'est terrible. On croit en toi Yugi. Que dirait Krypton s'il te voyait? Alors, 2, 3, 1, 7 en vrai, ça fait 11, d'accord. Est-ce que ça se passe bien pour toi, Monoli? Est-ce que tu passes de bonnes vacances? T'es en vacances, maintenant? Stylé. Et winter is coming, ouais, génial, enfin, la neige! Après l'été, vient l'hiver. Hein. Non, parce que moi j'en peux l'été plus. L'été qu'on a eu, il était vraiment pas fou. Ouais, il était pas ouf. À part cette semaine où, genre, ça a décidé de faire. Il fait chaud, hein, les gars. Et encore, hein, parce que. Mais oui, c'est vrai. Encore partagé entre le vent et la chaleur. Quoi. Ouais, j'avoue. Après, ça dépendait où on était aussi. Hein. Et oui, les Vikibou et le jeu vidéo. On va peut-être pouvoir finir notre session sur Valheim. Ce serait pas mal. Ce serait un peu hashtag très cool. J'aime bien casser les couilles aux gens avec ça. Avec des hashtags? Ouais, j'adore. Je sais que ça fait vraiment genre... C'est vraiment naze, mais j'aime bien casser les couilles comme ça. Ah, LOL. Hein, LOL. LOL MDR. Dis donc, on est un peu la génération LOL MDR. Le truc, c'est qu'il faut jamais sortir. Génération MSN. Ah oh putain, à l'aide, ouais. Non, à l'aide. C'est cursed, non. Connais-tu? Ah, on a obligé de mettre le lien là du coup. De quoi? Du Wiz? Oui. Je sais pas ce que tu vas sortir là. Mais... Wiz You. C'est ça, je crois, le. Le quoi? Il y a une chanson. Ah non, 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 non. Ah si, si, si. Non, 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 non. Je t'assure, nous n'en avons pas besoin. Vraiment. Ah merde, putain, il y a un français qui veut jouer à... Ah, c'est Génération Texto. Ah par contre, moi, si je mets le lien, je le mets sur Discord, parce que sinon, moi, il va être censuré. Tu t'assumes pas, toi? Non, bah non, tu t'es plus censuré, toi. Ah. Bah c'est parti, alors. De quoi? Tu peux envoyer des saloperies. J'ai peur. Promis, c'est pas un recroll. D'accord. C'est bien pire. Déjà, c'est pas un recroll. Je vais pas cliquer maintenant. Ah, mais je connais ça. C'est terrible. Hein. Mais oui, je crois qu'on avait découvert ça. À Eugène, je crois. Hein. Ouais. Ah non, oh, à l'aide. Je m'en souviens de ça. Qui nous a partagé ça? Je me demande qui nous a partagé ça. J'ai envie de le retrouver. C'est non. Je me dis que ça, c'est peut-être Fabinou. Franchement, ça serait son genre. Ça serait son genre de nous sortir des trucs comme ça. C'est honteux. Du coup, j'en ai perdu carrément le fil du perso. Merci, hein. À l'aide. Hein. Écoutez en entier avant de te coucher. Oh non, non, mais je m'en souviens très bien de ce que c'était ce truc et je veux plus le revivre. Merci, mais non, merci. C'est horrible. D'ailleurs, c'était quoi cette histoire qu'un Français voulait jouer, Ulor? T'es encore sur ta phase alien, c'est ça? Ouais, non, parce que du coup, je suis sur le Discord maintenant, du coup, je vois les gens, et il y avait un mec qui pingait genre, ouais, les Français, si vous voulez jouer, putain, fiché. Mais t'es vraiment... Ouais, mais ah non, mais pour ceux qui ne savent pas, il passe ses soirées sur ce jeu, c'est un truc de ouf. Ouais, il est bien, c'est pour ça. Ah! C'est le turfu, ce jeu. Ouais, 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 tu m'étonnes, ouais. J'ai vraiment cliqué sur le lien. J'ai vraiment cliqué sur... Ouais, ça va, c'est pas... Hey, Mono, c'est toi qui nous envoie des liens de Patrick Timsit qui nous parle d'Internet. Hein. Donc franchement, t'as rien à dire.
Franchement, pour les liens cœur, c'était le champion aussi. Hein. Bienvenue. Vous avez donc maintenant Internet. Je sais plus comment. Quoi comme type de d'arrêt. Ah, Thierry l'ermite, bah oui. Thierry l'ermite, évidemment. Il y a des trucs bien ou pas? Hop. Yes. Le seul container sans allocator, du coup, c'est le stack. Ouais. J'en dis l'un du 12 devant sa webcam et posté sur son skyblog. Allez, il a dit tellement de trucs curse, mono. Skyblog, MSN, mec. Fais gaffe. Il y en a qui sont traités boomers pour moins que ça. Par contre, du coup, la taille, elle est dans la déclaration du stack buffer. Du coup, on ne peut pas faire ça, en fait. Mais par contre, je peux recevoir un span, non? Ouais, complètement. Si t'es pas honneur du truc... Attends, c'est... Pardon, parce que j'étais en train de faire... de configurer le SSH sur mon laptop. Du coup, j'ai pas trop suivi. Bravo. Non, parce que du coup, je me demandais si je pouvais utiliser un stack buffer, mais le stack buffer... Il va avoir sa taille définie dans la déclaration. Dans le type, ouais. Par contre, est-ce qu'il peut produire un span? Ouais, et l'idée c'est que ton bouton contrôleur là, il va être owner des boutons ou pas? C'est une bonne question, mais je dirais que non, parce que c'est lui qui est owner des boutons. Ok. Mais c'est juste un lurker. Juste, ouais, ok. Bah du coup, ouais, tu peux lui envoyer un span et même tu peux le stocker en span, du coup. En membre. Ouais, mais du coup, ça veut dire que celui qui va lui filer les boutons, il faut qu'il garde l'ownership, quoi. C'est ça. Il faut que ce soit l'honneur qui... Ça, c'est chaud. Quels sont les plans de la rentrée, demande Mono. Quels sont vos plans pour la rentrée, messieurs? J'ai pas de plan pour la rentrée. Pourquoi j'aurais des plans de spécial. Ah si, moi j'ai un plan. C'est que je me suis acheté un ordinateur portable pour aller télétravailler dans toute la France. Ah! Voilà, c'est mon plan. Je vais voyager. Enfin, voyager, je vais aller chez des gens, quoi. C'est bien passé jusqu'à présent. C'est pas fou. J'ai hâte perso de voir apparaître. Ah, les Drotober, putain. Notre challenge, on le sent. Cette année, j'y participerai, Mono, hein. Si j'ai le temps. Sérieux? Bah oui, non, mais dans mon coin, je le montrerai à personne, mais c'est juste. Tu vois, c'est nul! C'est nul si tu montres pas. Il n'y a pas qu'il y avait des challenges de... Ah si si mec. Oh mec, il y en a des tonnes, mais tu sais que chaque mois il y en a. Hein. Okay. Le Inktoberfest et compagnie. D'ailleurs, non mais le Inktober d'ailleurs c'est compliqué parce que du coup maintenant c'est copyrighté. Enfin bref, il y a plein de trucs à la con comme ça. Bah, après tout le monde a fait le sien, donc je suis pas forcément le liste officielle et puis c'est pas copyrighté. Mec, il sort ce livre. Ouais, donc c'est un peu. Sympa, mais on veut The Event, on veut la Mage Valley, on veut Kenny Reeves en slip. Où est-ce qu'on peut voir Kenny Reeves en slip? Faut lui demander. Monsieur. Kenny Reeves? Ouais. Où est-ce qu'on peut vous voir en slip, monsieur Reeves? Clé. Oui, parce que du coup, tu vois, Galgat. Ici, en fait. Je vais chercher les widgets. Et du coup, en fait, j'en aurais plus besoin. Faudrait juste que j'aille chercher les deux boutons et que je les envoie au contrôleur. En fait. Parce que pour ça, il faut que je crée un tableau temporaire pour les lui transmettre. Du coup, je peux pas garder le span, en fait. Ah, parce qu'ils sont pas stockés de manière continue. C'est ça. On sait pas où ils sont, en fait. Bah, tu peux l'envoyer à... Un vecteur de pointeur, du coup. Ah, tu peux lui faire un span de pointeur ou un... Je ne sais pas. Ah, peut-être coup, le... Je pense lui envoyer un span quand même, comme ça, il n'a pas à connaître le type de stocker derrière. Ouais, je pense que tu peux l'envoyer un span de NLC pointer. Donc c'est des pointeurs qui sont garantis pas nuls.
Et ensuite, en interne, tu fais un vecteur ouais, de NLC pointer. De ton... NLC pointer, il prend le type quand même, du coup. Ouais, ouais. C'est un template. Coup, oula. Mono, tu viens de poser une question. Tiens, j'ai des amis qui se mettent à la crypto bourse en ce moment. Que pensez-vous de la crypto et en général, vous, achetez-vous ? C'est de la merde. Ouais, ouais. Voilà. Tu... Voilà, il vient juste de tout résumer. Pourquoi c'est de la merde ? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, de la spéculation, c'est de la merde. C'est ce qui a foutu le feu à plusieurs banques. Capitaliste ! Il y a des gens qui se sont suicidés et tout ça. On sait que c'est générateur de crise, mais on continue à spéculer. En plus, tu spécules sur littéralement rien. C'est de pire en pire. Et pour générer de la crypto, il te faut des fermes de... des fermes de cartes graphiques, de, du coup de PC, qui tournent à balles, H24, qui te bouffent toute ton électricité, et en plus ça crée de la pénurie en termes de matériaux informatiques. Donc en fait toute la merde qu'il y a en ce moment actuellement sur les cartes graphiques, machin et tout ça, on la doit à la crypto. Et c'est uniquement tout à la crypto. Bon, après il y a quand même le fait qu'on sait pas du tout recycler les terres rares et compagnie. Ça c'est quand même un peu de notre faute quoi. Mais oui, on est plutôt dans un moment de une période où on a besoin de faire un peu gaffe avec ses ressources, et puis là c'est utilisé dans des quantités énormes. C'est le capitalisme énorme. Qui débarque avec ses grosses bottes et qui fait quoi ? On doit faire attention, mais rien à branler de l'écologie. Ça fait de la thune. Voilà. Après, du coup, la moula c'est... La moula, putain. Mais au-delà du fait voilà. Que en vrai, tu peux très bien être contre Wall Street et être quand même capitaliste dans l'âme, faut pas non plus... C'est pas incompatible comme raisonnement aussi, il faut se rappeler ça. De quoi ? Que tu peux être contre Wall Street, mais être quand même avec une pensée plutôt capitaliste sur pas mal de choses. Ah oui. Ça dépend, voilà. Hein. Ça, pour moi, je trouve ça intéressant, mais oui, niveau ressources et environnement. Oui, ça. Par contre, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, en termes de ressources et environnement, c'est pas le feu. Ouais. Et... En fait, la crypto, c'est intéressant sur le papier. Voilà. Mais t'as pas en fait. Enfin, c'est pas intéressant d'en faire. C'est intéressant à étudier le phénomène et comment, qu'est-ce qui pourrait arriver, comment ça pourrait, interagir avec plusieurs choses. Mais et encore, je dis c'est intéressant. Ça pourrait intéresser des gens, moi ça m'intéresse pas. Mais... Non, mais c'est intéressant. Du moins, c'est aussi intéressant que d'étudier de comment tu formes une maladie rare, incurable. Tu vois, c'est intéressant sur le papier en termes de comment tu peux procéder et qu'est-ce qui ferait que. Mais c'est une des idées qu'il faut jamais faire en vrai. Question tranquille, oui, non mais. Question tranquille sur le stream des avis tranchés. Non, c'est surtout. Voilà quoi. On va rien dire quoi. Allure. Mais oui, c'est grave à la mode en ce moment-là, la crypto. Il y a tout le monde qui s'y met, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a les banquiers qui commencent à dire « Ah, vous voulez vous faire de la thune, pensez à la crypto. » Ouais, c'est ça. Il faut... Par contre, c'est comme tous les trucs comme ça qui font du gros buzz dans le monde de l'investissement, c'est que... Ça va se casser la gueule dans... Quand t'es un petit joueur, eh ben, tu risques de te faire piler. T'as très peu de chance d'y gagner quelque chose. Et puis bon, voilà, il faut aussi se dire que ça fait partie un peu aussi de la même veine de ceux qui déménagent là en. Merde, à Malte. Ah, aussi. Les déménageurs de l'extrême. Non, mais ceux qui déménagent à Malte justement pour les trucs fiscaux les montagnes et tout ça. Et ils en profitent d'ailleurs, justement, il y a une grosse communauté à Malte qui. On voit qu'il y a beaucoup de traders de crypto-monnaies et tout ça en fait qui déménagent à Malte et tout ça pour tout ce qui est, tu vois, évasion fiscale et tout ça. Et les mecs, ils ont quand même le culot de te dire. Non mais j'y vais pour, pour le temps, pour le fait que ça soit une île et tout. Pour les vacances. Et là on va dire mais enfoiré. Alors que tu vois par exemple j'ai un cousin à moi qui va déménager à Malte, qui est dans la crypto-monnaie, mais au moins il est honnête. Tu vois, il le dit pourquoi. Pour la moula. Voilà. Mais tu vois, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec quelqu'un qui assume. Parce qu'au moins, bah voilà, il est droit dans ses bottes, tu vois, il te cache rien, tu vois, il est pas là en train de. Ouais. Je suis pas d'accord avec lui, mais bon, s'il est heureux comme ça, ok, tant mieux. Mais alors que les mecs, c'est qui. D'ailleurs, il y a même des streamers, j'ai appris, qui faisaient genre ils avaient pas bougé de leur pays.
Et en fait, Puis des en fois, fait, ils ont déménagé. ouais, et en fait, si tu veux, ça a explosé, où en gros, on a reveal que, en gros, bah, ils avaient bougé à Malte. Et le mec, il disait, non, mais vous comprenez? Alors que ça faisait déjà un an qu'ils disaient, oui, moi, je suis toujours en Espagne ou quoi, tu vois. Qui faisait des trucs comme ça, mais c'était des. Oh Clairement. ah, les pires sacs! Et après, pour rebondir sur ce que disait Gadgad, sur le fait que, je sais plus ce que tu disais en mode genre, ouais, t'es un petit joueur, du coup, faut faire gaffe parce que tu peux tout perdre, machin, tout ça. Ouais. Mais c'est arrivé, il y a une crypto-monnaie, à un moment, les mecs, ils ont construit une crypto-monnaie, comme d'habitude, sur rien du tout, hein, parce qu'il y a besoin de rien pour construire une crypto-monnaie. Ils ont pris l'argent. Les gens ont filé de la thune, puis à un moment, ils ont tout fermé, ils ont fait, ben voilà. En fait, c'est fini, vous avez plus rien, et nous, par contre, on a récupéré toute votre thune, et vous avez de la crypto qui sert à rien. Fait. Et bah du coup les gens ils ont perdu toute leur thune dessus. Il y a des gens qui avaient investi énormément, parfois toute l'économie. Tu sais, c'est arrivé qu'une fois sur deux. Père qui a claqué toute l'économie de ses gamins pour l'université et qui a plus rien maintenant. Spécialement je suis fondamentalement contre ce genre de manœuvre. Tu vois. BitConnect. Ah oui. BitConnect. Mais ouais, du coup, voilà, il y a littéralement moyen de tout perdre en un instant. Avec ça. Je reviens sur le code, du coup, pour l'espan. Je veux le passer directement en valeur. En copie. Ouais. C'est un petit objet. Y a rien dedans? Ouais. Bah, y a un pointeur, une taille, quoi. Y a un pointeur, une taille? Ouais. Ah oui, parce que du coup, de toute façon, ouais, c'est juste le. Ouais, c'est le pointeur de l'arrêt et puis scam. C'est ça. Scam, scam. 10, 10, 10, 5, ça fait 30. Du coup, on va changer ça. Parce que du coup, en fait, dans l'idée, ici, on a plus les button widgets. On a un button widget. Non, button controller. Je fais ça, button controller. Je reviens 2 secondes. Ça fait court 2 secondes. Je peux revenir plus longtemps si tu veux. Tu fais un Twitch soldier. Ouais, on voit pas bien son écran ça. Et il sera même pas là pour te répondre. C'est un traître. Du coup j'ai passé. Ne me dis pas que je me suis encore gouré dans l'ensemble. Bon. Du coup, ici, au final. Pourquoi c'est des optionnels? On veut pas que ce soit optionnel. Parce que tu les récupères d'un find. Ça te renvoie un optional. Le find te renvoie un optional. Yep. Huh. Ok, bon bah du coup on va garder ça. De toute façon, s'ils sont pas là, on pète un câble. Moi pour faire de l'argent, j'ai un projet de stream où je calme mes pieds et après je crée un compte OnlyFans. Ouais, faut faire gaffe parce que OnlyFans a changé sa manière de payer les gens. Apparemment, c'est plus très plus si bien que ça. Il y a eu tout un bordel sur Twitter. Ah, ils ont fait comme Twitch. Ouais, comme Twitch et comme je sais plus quel autre truc avait fait avant aussi. Du coup.
Parce que du coup, tu vois, ici, j'aurais besoin d'avoir une LC à arrêt quelconque. Ouais, c'est ça, là, tu te crées un arrêt statique, quoi. Tu lui envoies le span et bam. Un arrêt statique. Je peux faire un arrêt de 2. Bah ouais. Pour faire un pointer de base. De button. Object component. Buttons. Crochet 2. Tu peux faire juste crochet-crochet, hein, d'ailleurs. Crochet-crochet, il va calculer la taille tout seul, comme un grand. Je suis même plus obligé de faire ça. Attends, le futur, c'est fort quand même. Bah ouais. La puissance. Par contre, faut que je récupère avant le. Quoique long en fait. Tu m'as dit le pointeur, il est. Le NLC pointeur, il assure un pointeur non nul. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que. Enfin, si tu lui envoies un nul, il va dire quoi? Il va péter un câble. Ça acerte. Ça acerte. Tout simplement. Et pareil, quand tu l'assignes, il y a un truc nul. Il va te exploser la figure. Il fait que ça, c'est pas grand chose. Par contre, il t'assure pas que ça soit pas. Dangling. Ouais. Ça c'est toi, tu t'es. T'assures pas la durée de vie, mais par contre t'assures un truc manu quoi. C'est ça. C'est en gros c'est un peu une référence améliorée parce que tu peux la signer après. Du coup faudrait quand même que j'essaie de la récupérer avant histoire de. De pas péter lamentablement quoi. T'as pas besoin de faire ta vérifier qu'ils étaient pas nuls juste au-dessus. Ouais, ah oui non les. J'ai vérifié que j'avais bien le widget mais j'ai pas forcément vérifié que j'avais le. Le component de button widget. Perfect. Component. Et là j'ai encore mélangé les nomenclatures. Alors, re. Pardon. Re. T'as tout raté. Pardon, ouais. Qu'est-ce que j'ai raté? Il y a Norse qui demandait si tu faisais un Nightwatch. C'est mono, mais c'est parce que Norse c'est voilà. Moi. Et non, en fait, ce que je faisais. Ce que je faisais en fait, c'est un autre guerrier, mais ça appartient au lore. Et il est pas tout en noir. Il y a des nuances de bleu dessus. Moi, pour faire de l'argent, j'ai un projet de stream où je came mes pieds à LED. Came tes yep quoi. Non, ça se tient. Hein. Ah non mais please quoi, non mais autant camer un autre truc, pourquoi prendre nécessairement le truc le plus répugnant dans un corps humain quoi. Non mais toi tu considères que c'est répugnant, ouais, mais pourquoi ils trouvent ça excitant tu vois. T'es pas assez familier avec la cire d'oreille toi. Ok ouais, non mais moi je parlais d'un pain visible, pas le truc, pas les déchets, enfin merci. T'sais. Quoi? Faire un stream à cire d'oreille ça peut marcher. Mais ça se trouve, il y a un kink là-dessus aussi. Hein. De toute façon, tu trouveras tout. Il y en a partout. Qui est intéressé, je pense. Surtout. Ouais. C'est méga dégueulasse. Mais non, c'est pas dégueulasse. Pas, monsieur. On peut dire, tu vois. Ils font bien ce qu'ils veulent. Ouais, ça reste quand même dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. C'est toi qui es dégueulasse à juger des préjugés comme ça. À juger des préjugés. On ne juge pas les préjugés, monsieur. C'est très mal. Alors attends, du coup j'en étais où? Donc du coup une base de 1, 3, 5, 8, 4, 8. Attends, par contre lui c'est aussi un monstre, hein. Oh la vache. Alors que je me calme. Moins 2, du coup. 8. Par contre j'ai fait sauter l'allocateur en même temps. Ah non, c'est parce que dans le mec unique il y a 4. Ouais, mais je vais en avoir besoin de la locator. Ne jamais laisser Eju d'avoir des idées comme ça. Sexiste tout ce que tu dis. Non. C'est pour son bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai d'abord. Allez, un petit Aflin. Quand même, faire une cam de yep, dégueulasse. Ouais non, c'est pas une mauvaise idée en soi. Quoique non, c'est attends, juste pas le public. Ouais, grave. C'est ah bah là, grave. Tiens d'ailleurs, non, tu sais quoi, je vais faire plaisir à Ulor. Il y avait un concept de moine qui se bat au Pwing. Hop là. Il y a Nightbot qui a
qui a viré Age of Sigmar. Putain, à l'aide, pourquoi vous faites ça? Non mais... Alors, c'est pas nous, hein, c'est Nightbot, hein. C'est juste qu'elle a envoyé 3 messages rapidement. Ah, bah ouais, bah du coup... Il faut qu'on le configure, hein, parce que ça veut dire que là... Oh, à l'aide! Nightbot a banni Jude. Oh, à l'aide! Non, mais... attends, allez, ça dégage. Non mais attends, non. Ah, elle est pas ban, c'est ah, 10 minutes. 10 minutes de timeout. Voilà, voilà. Allez, on a levé le ban. Pardon encore du dérangement. Comment ça, on a levé le ban? Je vais le remettre tout de suite. Dis donc. Et tu vois, si tu parles de pied, on s'est même censuré par le bot, quoi. Yes, ce bot est intelligent. Voilà, Aeropool. Ça, du coup, il a viré tous les messages de Jude. Ouais. Ah ouais, putain. Ah, la violence. Il est taré, ce bot. Hein. Ah bah, il est... faut pas l'emmerder, quoi, en vrai. Hein, c'est... Non, mais encore, tu vois, genre, tu spam, il ban, et du coup, tu peux plus écrire. Soit. Mais pourquoi virer tes messages précédents, en fait? C'est-à-dire que tu n'as jamais existé. Tu n'as jamais existé. C'est vraiment réécrire ton existence et faire toi, t'as jamais été là. Non, parce que t'as écrit trois messages, dont un avec des caps lock, quoi. Ça, c'est... Non, mais si. Ah, ça doit être ça, ça doit être le caps lock qui l'a fait péter un câble. Non, parce que justement, en fait, des fois, c'est que. Tu sais, quand c'est un lien et tout répété, comme ça, il n'y a pas confirmé plusieurs fois qu'il faut effacer ce message, machin et tout, tu vois. Il y a plein de trucs. Ah oui, c'est ça, stop spamming caps. Ouais. Il y a presque 600 secondes pour. Fais gaffe, Jude, parce que si tu commences à critiquer comment c'est configuré, le ban il va revenir. Bah, après, moi je m'en fous, c'est Norse qui a configuré. Quoi? Pas du tout! Bah, si. Ah, peut-être personne l'a configuré, c'est peut-être ça le problème. Toi qui as fait le message et tout ça, en plus, j'avais dit, ouais, ça fait chier parce que, genre, il fait deux messages pour les réseaux. Oh, mais à l'aide! À l'aide! Je me sens trahi. J'ai envie. Et du coup, le spam, il se produit directement depuis. Ouais. Ou faut que je fasse un mec span. Normalement t'as pas besoin. T'as fait Sangoku Norse? Alors ce serait une Sangouquette, vu que c'est une femme. Et c'était en fait pour faire plaisir à Ulor, vu que Ulor aime bien les personnages qui se foutent sur la gueule avec d'autres choses, mais main nue. Quoi? Ah ouais, c'est la couleur, ça fait très... Oui, bah c'est aussi une ref, hein. Ah, voilà. Bah si, Sangoku, mais c'est bien toi, Ulor, qui arrêtait pas de me dire, est-ce qu'il y a une classe moine, une connerie comme ça Ah, moi j'aime bien les moines. Ouais, voilà, bah du coup j'en ai fait une. Et sans magie, genre c'est pas le lapin de dragon de l'autre fois qui était en fait une mâche foudre. Là, c'est les points dans la teuté. Dans ta gueule. Voilà. Les points dans la gueule. Voilà, je me fais une ça, petite musculature et tout. Combat de rue. Ah bah là, clairement, oui, combat de rue de fou, t'sais. Mon dieu, un nouveau fichier. Incroyable. Ah, ça bosse dur. Non, y'en a qui bossent ici. Je vais commencer à compter le nombre de lignes que tu fais par strip. Ah bah super, merci. Je le soutiens, quoi. Le jour où on compte le nombre de lignes que je produis par heure de travail, bah putain, je serai pas dans la merde. Ouais, putain, oh la vache, elle va être pétée elle aussi. Les persos de plus en plus pétés, après tu vas boucler, du coup revenir sur les anciens, les faire encore plus péter. Ouais, ouais, ça va être la boucle du pétage. Ah, donc le HPP, ça fait le button jet. Je sais même plus où est-ce que ça se règle, Nightbot. C'est sûr.
sur leur site à la con. Ouais, c'est sur leur site à la con, ouais. Tu vois, de tout à coup, moi. Leur découvrit le copier-coller. Oh, incroyable. Une telle puissance. Tellement de danger à faire ça aussi. Les grands pouvoirs appliquent de grandes responsabilités. Après, j'étais un peu con parce que j'avais pas besoin de. Alors là, de t'es un peu. Dans le CPP un peu, mais. T'es un peu ambitieux là. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, je vais le taper, mais j'y crois pas vraiment. Non, non, il faut que tu fasses un happen de. Oh, tristitude. Comment ça se fait que le constructeur du container ne prend pas en paramètre un span? C'est quoi ces histoires? Oh, c'est comme ça. Quoi? Voilà, c'est comme ça. En fait, il a un seul constructeur et c'est le constructeur à base d'allocator. Et après, il y a copier et move. Ouais, enfin, je veux dire, en constructeur, genre que tu utilises normalement pour construire l'objet une première fois. Mais c'est vrai qu'on pourrait rajouter un. Salut Simus, comment ça va? Avec un petit span, quoi. Tu spans des familles. Ah, mais ça veut dire que tu fais des copies, tu fais de la copie. Et on veut pas faire de la copie par défaut comme ça, de manière. De la copie. Implicite. De la copie. Bah, si tu lui vois un span, tu vas copier les valeurs dans ton vecteur. Et on veut pas faire de copie de manière. Implicite. Parce que les copies c'est dangereux. Ouais, mais c'est dommage quand même, je m'en tiens. Je m'en tiens que c'est grandement dommage. C'est dommage, mais demande refusée. Du coup, tu vois, ça veut dire que je suis obligé de mettre du code dans mon constructeur. Oh. Mais c'est horrible. C'est horrible, monsieur. Surtout quand tu es là, tu vois. Bon, faut que. Happen from. Bizarre, en plus. Non, tu vois, happen from. Et t'envoies le span et ça te fait le. Tout ce qu'il faut. Happen from bon. Pourquoi? Pourquoi c'est pas juste happen? Parce que. Y'a pas de méthode happen? Si, y'a une méthode happen, mais c'est pour ajouter un élément. Mais pourquoi le span il a du coup un autre nom? Pour expliciter que tu fais autre chose. Mais t'es pas obligé de faire un réserve du coup. Le réserve il est fait dans le append. On n'est pas des sacs. Ouais, mais après je peux faire un réserve et puis un append no group. Bah oui, mais ça fait exactement pareil que append from. Tu veux, hein. Tu peux même faire un réserve et puis après les ajouter un par un avec une boucle. Tu peux pas le construire en lui disant je veux au moins autant d'objets? Non. Ça c'est dommage. Parce que là, tu vois, là, typiquement, je pourrais lui dire bah attends, je sais que j'ai autant d'objets à mettre dedans, je construis moi avec au moins ça. Bah, après, quand tu le construis, il a zéro en fait. Il fait pas d'allocation, donc si tu le fais juste après, tu fais un point from, ça revient exactement au même. C'est pas comme s'il y avait une allocation ouais, par défaut. Pas, tu le sais pas, ça, tu vois, en tant qu'utilisateur. Tu t'attendrais à pouvoir dire bah, je veux construire un vecteur de autant de place, au moins, à défaut de pouvoir lui mettre le span directement dans la gueule. Ah mais ça veut dire que si tu fais ça, que toutes les classes qui ont un. Que tu mets dans les vecteurs, ils doivent avoir un constructeur par défaut. Ou alors que tu te balades avec de la mémoire réservée mais pas initialisée. Ouais. C'est la question de qu'est-ce. Après, tu vas me dire le réserve, tu vois, il c'est... fait pareil. Ouais, c'est, hein, c'est ce que je veux dire, c'est ce que fait le réserve. En fait. Il la loue sans initialiser, donc bon, c'est discutable, tu vois. C'est... Ouais, c'est vrai. Après, bon, voilà, au moins c'est une interface simple. Hop, toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Je note, je soumettrai. Donc ensuite on a le process
qu'on sait pas ce qu'il va faire. Pas au tout. Et voilà pour elle. Tu nous la montres en grand sur l'écran. Qu'on voit oui. Un peu quoi. De quoi? Mais nous la dame en grand. Comme est-ce ça on voit un peu sa tête. Ah, c'est trop petit. Bah du coup je peux aussi vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, moi ça non. Ah bon, par contre moi je trouve qu'Alejandra elle est mieux. Enfin bon après. Ah vas-y vas-y. Non mais si il va faire un petit flow. Ok, alors. Swap image du coup. Boum. La voilà. Waouh. Pourquoi elle a pas un petit nuage en dessous? Parce que déjà d'une y a pas. Salut One49. Déjà une elle en a, y a pas sur le site. Et bon, je voulais prendre une pause un peu plus voilà. Parce qu'on les représente toujours en mode zen ou quoi. Et sinon donc du coup aujourd'hui j'avais fait aussi celle-ci. Une rôdeuse. Elle a la classe rôdeuse mais des mers. Rôdeuse des mers. La rôdeuse des mers. Pirate quoi. Ouais, c'est une pirate, tout simplement. Tout simplement. Sinon, qu'est-ce qu'on avait fait? Il est où le perroquet? Ah non, je voulais pas être trop cliché non plus. Déjà, je trouvais que c'était déjà pas mal cliché. Je me suis dit, non, on va peut-être pas le faire comme ça. Attends, il y avait un autre perso. Ouais, bon, alors. Ça s'explique dans le lore, hein. Mais bref. Il y a celle-là, Lucrits. Oh, en vrai, j'ai fait plein de nana. Alors, elle, c'est vraiment du debuff, hein, par contre, hein, la meuf. Hein, c'est... Elle empoisonne, elle saigne. C'est une mage vraiment de. C'est pas vraiment une mage, c'est une prêtresse de douleur, mais quand même. Effectivement, ça a l'air de faire mal. Ouais, allez. D'accord, ok, merci, Galgat. Incroyable. Sinon, j'avais fait qui? Ah, si, attends, j'en avais fait une. Attends, elle était où? Une très très banale, mais que j'aime bien. Le soldat Emily. Qui est en fait c'est pas en fait c'est un mi-chemin entre un tank et un buffer dans ses kits de sorts. Voilà. Et attention, femme guerrière habillée s'il vous plaît avec un casque. C'est original ça. Ouais, ça change. Ça change un peu. D'ailleurs, c'est une inspiration que j'ai toujours voulu mettre un peu plus moi dans mes univers créés, tu vois, j'aime pas trop en fait l'effet bikini armor, si tu veux tout savoir. Et c'est vachement réaliste. Ouais, un peu plus dans le réalisme. Et d'ailleurs, moi, j'avais trouvé, du coup, je crois, un artiste asiatique que je suis sur Twitter et qui fait que ça, en fait. Des nanas avec des armures crédibles, en fait. Mais qui le fait avec son style à lui, bien sympa, que j'aime beaucoup. Tu vois, un peu dans le style de... Je sais plus si tu te souviens d'Octopath Traveler, l'artwork et tout ça, la DA. C'est le gars, tu l'as déjà vu. Je crois pas, ça rien. Donc, bref, il y a. Et puis j'ai fait d'autres. Si t'as un lien, on voit, qu'on regarde. Ah ouais, D'ailleurs, tiens, je vais continuer sur la lancée à faire des guerriers. Là, vu que j'ai fait un guerrier, je vais m'occuper de lui après. Un mercenaire. Et alors, du coup, tac. Je sais plus comment il s'appelle, quoique, attends, non, je crois qu'il y avait autre part. Bah écoutez, j'enverrai ça après, mais. Faut que je le recherche. Mais ouais, du coup, ouais, il était bien sympa. Je mettrai ça de toute façon sur le Discord. Ce sera plus simple. Voilà. Et je vais continuer, du coup. Je vais continuer. Et je pense qu'en fait, après ça, je crois qu'on aura bouclé les guerriers. Et on fera autre chose, du coup. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bon, tu as justifié ton salaire. Voilà. Chose qu'on n'a pas pour ce projet. Ça a l'air de 0€. A bien justifié qu'on ne paye pas là. Moi d'ailleurs j'avais oublié de dire, mais là le guerrier là que je vais faire, il a les yeux verrons, enfin bleu marron. Tant qu'il a pas les yeux revolver, moi ça me parle. Voilà. C'est le truc que personne ne va remarquer. Ouais, mais moi ça me fait kiffer. Ouais, non, c'est les petits détails qui sont sympas. Donc voilà, moi ça me fait marrer. Sachant qu'ils ont tous une backstory que je ne dis jamais en plus. C'est dommage. Bah. C'est vrai qu'on passe ces gens. Non, mais en vrai, on pourra, si vous voulez, à un moment donné, accorder au live une petite backstory pour le. Comment on appelle ça déjà quand tu présentes un perso dans le monde du jeu vidéo? C'est quoi? C'est un reveal de perso? C'est quoi? Tara reveal. Un quoi? Juste en terme, tu veux.
Bref, on pourra en discuter. C'est le mec qui discarde ça en mode tranquille, on en discutera. En fait, tu les as pas écrites, quoi, c'est ça? T'as aucune idée de ce que tu vas dire? Non, si, 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 si. Pas si, trop si. Ton lore en vrai. Hein. Non, mais si. Bah, oh hein. Tu le racontes jamais, donc. Mais comment ça? Bah, là, tu dis qu'ils ont des backstories, mais tu veux pas en parler. Donc. Mais parce ouais, que tu te rends pas. Enfin, un peu genre, oui, ils sont censés avoir des backstories, mais c'est pas encore. Mais bien si écrit, le problème n'est pas là, enfin. Le problème, c'est que bah, malheureusement, il me faudra plus d'une heure pour expliquer tous les persos. On va faire un stream pour ça. Pourrait. Stream exceptionnel. Mais... Ouais, mais on pourrait. Enfin, faudra déjà que ça intéresse les gens. Hein. Bah oui, c'est intéressant. Sûr que ça les intéresse. On fait un jeu. C'est... Le but, c'est pas de jouer. Regarder quelqu'un coder, apparemment, ça intéresse des gens. Alors bon. C'est ça. Genre des histoires sur des personnages, à mon avis, c'est un peu plus intéressant quand même. Sous un gros fond de, tu sais, de... des reforges, tu sais. Non, mais oui, on pourra, mais... On pourra en voir. Alors... C'était quoi déjà le nom qu'il fallait que je lui donne à lui? Putain, je me souviens plus de ce que j'avais marqué. Oh, il s'appelle Hubert. Tu veux l'appeler Hubert? Eh ben écoute... Allez, j'ai vendu. T'as une tête de Uber. Pas le conducteur de taxi. Mais non, je vais pas l'appeler Uber. Mais Uber, ok, allez, hop. Voilà, il s'est appelé Uber. Nice. Là, t'entends au loin le personnage qui prend vie qui fait « Salaud !» Mais en vrai, c'est vrai que, à part pour faire genre un effet côté vieillot, tu sais, par exemple, tu sais, de la France dans les années 50 ou quoi, on n'entend plus le mot Uber. Ouais, c'est vrai que c'est pas un prénom très, très, très courant. Ouais, ben voilà, maintenant on va le remettre. Mais il n'y a pas beaucoup de grands personnages historiques qui s'appellent Uber, quoi. En vrai, si, c'est juste que c'est pas des personnages historiques mainstream, c'est ça le problème. Oui. Oui. Malheureusement pour eux. Les gens pensent plus à la Uber ou quoi quand on entend le mot Uber. L'OMDR. Après, tu critiques mes blagues. Ouais. Ouais, mais au moins, tu vois, genre, on attaque personne avec ce genre de blagues là, tu vois. C'est naze, mais au moins, tu vois, on n'a pas de problème derrière. La chat, elle attaque personne. Ah, ouais. Tends pas la perche non plus. Un coup de temps en temps. Ah, mais tendez pas la perche non plus. Et puis arrêtez avec ça, hein. Bah, quoi? On n'est pas un stream politique. La politique, les capitalistes, c'est un fait. Non, non. Je ne veux plus jamais vous entendre. J'ai mal. Non mais si, parlez en fait, parce que ça... Voilà. D'ailleurs, vous avez des questions, le chat? Ça va? Quel mec a une détermination de zéro, quoi. Ouais, grave. J'ai de volonté. Échec. Saint-Hubert Oméga 3. Voilà, ok, d'accord. Donc on a un Gat-Gat numéro 2. Super. Génial. Non, en fait, si. Non. En plus de ça, c'est ma faute parce que c'est moi qui l'ai dit. Et oui, tu as bien deviné ouais. D'où venait ma blague. 149. Tu reçois donc un cookie. Des maths que tu ne pourras pas toucher, mais dans l'idée, tu l'as. J'espère que tu les as pas désactivés. Moi, je l'attendais, ça. Ah. T'es obligé. T'as vu ce loop à travers un token. Les, Bah, ça, c'est beau. Le button, maintenant. Tout ça, là. Toute cette merde, là. Attends. Mais là, tu veux dire que... Ah, oui, non, c'est super. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Ça va. Tout ça, ça dégage. Bon, par contre, faut que je fasse dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ça c'est... Et attention parce que c'est un U-size. Ouais, du coup, je vérifie juste avant s'il est à 0 et s'il est à 0, je mets 16 ou 20 et puis voilà. Ou alors tu et fais. Là, je faire la fin en mode genre oh là là, je fais le modulo sur la size, truc de ouf. Bah, tu peux toujours faire ça, mais tu fais un plus buttons.size pour être sûr d'être du 0. Attends.
vois, tu fais currently selected égal buttons.size plus currently selected moins 1 modulo buttons.size. Et tranquille. Ouais. Sinon, je sais pas si c'est plus intéressant. Je sais pas. Sinon, en fait, on a juste à. Si il est égal à 0. Ah ouais, tu fais du branching, attention. Bah ouais, c'est pour ça, je sais pas si ce sera vraiment plus intéressant. Non. Mais non, putain. Moins 1 peut-être. Comment? Oui. Ah non, parce que je galère à le faire. Je regarde sur le stream, du coup j'ai du télé. Et si size il vaut 0? Ça explose. Et oui. En même temps, tu vois, c'est vrai que si... On mettra peut-être un insert dans le constructeur, non? Est-ce que c'est légitime d'avoir... Est-ce que tu veux les gérer ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'instancier un button contrôleur si t'as rien dedans, quoi? Si t'as pas de bouton. Ouais, non, carrément. Et puis en plus, là, directement, on fait déjà un truc de... Ça crache direct, là. Petit assert message. Assert. Avec majuscule, ouais. Ouais, mais le compléteur l'a trouvé, incroyable. C'est fort. C'est Marty, c'est la division par zéro. D'ailleurs, le append from, il s'en fout si tu envoies un truc de taille zéro. Une bonne question. Ça va pas péter avant, en fait. Alors, si les tests sont bien écrits, il y a un test qui va tester ça. Je vais regarder. Et enfin. Open from tac tac tac. C'était parfait, merci Mono. À jamais dans le sang. Ça a pas l'air d'être pétable. Ça a pas l'air d'être testé aussi. Mais. On va peut-être faire l'assert avant au cas où quand même. Ouais, non, je suis en train de créer de la merde en fait. Ça ne devrait pas exploser. Est-ce que c'est la même copie de taille 0, il va rien faire quoi. Tu voudrais détailler comment dans le jeu? Alors, sans vouloir emmerder nos deux amis codeurs. Il va nous emmerder. En vrai, on avait pensé avec Ulor qu'en gros, vu que ça s'ouvrirait comme une lettre, les héros, tu vois, les personnages de héros avec leurs capacités, tout ça, il y aurait une petite page sur un côté qui sera. Il y aura leur petit lore à côté qui sera résumé. Dans un espace qui n'est pas. Enfin bref, tu peux aller le chercher, quoi. C'est un petit goodies. Mais en gros, voilà, ils auront une petite page d'explication sur leur petit truc. Voilà. Mais pas non plus trop détaillé parce que j'aimerais bien aussi que. Il y en ait certains qui s'amusent à leur imaginer une vie selon. Les petits trucs qui seront déjà mis dessus. Parce que je sais que ça m'arrive des fois avec le peu de lore ou quoi. En audio. Oula, non, c'est du pognon en plus, ça, mon petit Mono. Mais bon, s'il y a moyen. À l'aide. Et oui, le lore. Très important, le lore. Voilà, j'ai terminé. Pardon de vous avoir ennuyé, les codeurs. Très ennuyeux. C'était très ennuyeux. Je suis déçu. Tu me dis que le branching, ça coûte cher, mais les modulos, ça coûte cher aussi. Oui. Donc en vrai, pas sûr du truc le plus intéressant là-dessus. Ouais. Par contre, on va pas le faire. Attaque. Je sais qu'une bonne voix a l'avantage de faire un bon storytelling et rend le tout immersif. Ouais, c'est sûr. Complètement. C'est vrai, Mono. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, le process action, ça c'est chiant parce qu'il faut le brancher à un moment. De Jawa sur FF.
C'est-à-dire, Mono, tu veux dire qu'on fait comme on faisait d'habitude avec Jawa, où on était tous les deux en train de doubler les personnages, ou on enregistre ça en mode zob? Non mais oublie. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Ok, merci. Ça fait mal. Confirme que ça explose pas, c'est un. Je fais un buzz from avec une spade vide. Et j'ai rajouté un petit test Ça avait l'air, mais en test ça fait jamais de mal. ça. Fait. Il y a des pointeurs, des function pointeurs hein, qui traînent quelque part. Hein. Pardon? Il y a des function pointeurs qui traînent quelque part, non? LC function. Function. Function view, selon ce que tu veux faire. Et la function est là de la location. Elle prend le scope en tournant, c'est ça? C'est ça. Non. LC function, si t'as un... si tu fais une lambda par exemple et que tu as besoin de mettre des choses dans la capture, elle va être honneur de des objets qui sont dans la capture. Parce que du coup, je me disais là, vu qu'on prend plusieurs boutons, en fait, on peut prendre en même temps un span de function de même taille. Il faudra acerter qu'il a la même taille. Et comme ça, en gros, quand on lui dit, bah voilà, t'as une action, vu qu'il a un currently selected, il peut dire, Ouais. bah voilà, je vais chercher telle fonction et je l'appelle. Ouais. Dans ce cas, je te conseille, au lieu de faire deux spans et de vérifier la taille, c'est de faire une petite structure ou une paire qui contient un pointeur et une fonction. Ouais, c'est ce que je me disais. C'est plus simple à gérer. Ouais, oui, nous aussi, Mono. Mais bon, chaque chose en son temps. Petit pas par petit pas. Donc en fait, on aura un span de. Il y a des paires hein, de toute façon. Ouais. Pas de conneries. Par contre, du coup. Ça commence à faire un gros type. Ouais, je vais le using. C'est plus comment on appelle ça. Very English, tout ça. Tout ça, oui. Ouais, parce qu'en fait, le truc qui m'emmerde. Qu'est-ce que j'aurais comme fonction à faire? Faut juste que je passe le target page en fait. Et du coup, de manière générale, a priori, je vais quand même probablement avoir besoin d'avoir des informations sur le contexte d'appel en fait. Tu peux Oui. appeler une fonction membre comme ça? Bah tu captures this et puis t'appelles ta fonction membre. C'est dans Fundamentals, les Ouais. functions du coup. Parce que dans ce Ouais. cas-là, il me faut une function. Si j'ai bien Ouais, compris. tout à fait. Ouais, je pense que c'est bien d'avoir une fonction et ouais. C'est le bouton contrôleur qui va être honneur. Paraît pas mal. Oui, parce que de toute façon, enfin, en fait, on sait pas de quoi on aura besoin dans le futur, mais on aura très sûrement besoin d'avoir du contexte à un moment ou à un autre. Ouais. Ne serait-ce que là, en fait, on a déjà le target page à passer. Donc, en fait, on a forcément un truc à changer, quoi. Puis surtout que du coup, je vais pas faire un target page, je vais juste faire une fonction à go to exit et go to next. Je sais pas comment je vais l'appeler, qui n'existe pas encore. Mais par contre, du coup, comment ça se crée? Ça se crée juste. Ouais, tu le fais juste à lambda et puis il s'en sort. Lui envoyer un allocateur plus ta lambda. Un allocateur. Ça tombe plutôt bien. Y en a un sous la main. Partout. D'ailleurs, on se pose toujours la question de est-ce que l'allocateur il devrait être
local au menu contrôleur. Ouais. En vrai, c'est pas que con, je pense, qu'il soit local au... Oh, c'est pas mal, ouais. Comme ça, t'as des checks de mémoire plus régulièrement. Du coup, ouais, donc on va use in-game. What? Il y a Mono qui a une question pour vous dans le chat. Ah. Y a-t-il des gens assez fous pour créer un langage code en français? Y a-t-il eu? Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont fait une extension du C++ pour remplacer tous les mots-clés en français. C'était dégueulasse. Ah, le mot est lancé. Après, je sais pas s'il y a un langage français. Je vais chercher ça. Gat, je sais pas si t'as plus d'informations. Tu l'avais vu passer, toi, le truc. Genre, c'était un repo où les mecs ils avaient fait tous les alias pour que. Ouais. Genre, for c'est temps. Et if c'est si, sinon. Machin. Ouais, avec des macros, des trucs. C'était dégueulasse. Langage symbolique d'enseignement. J'ai trouvé. Là est un langage de programmation. Je vais voir s'il y a des exemples. Oui, tout à fait. Eh bien, je vous envoie le petit lien. Il y a du code magnifique comme faire 20 pour n jusqu'à 99, pas moins 1 jusqu'à 1. Ah quoi, pardon. Affiché. Ah merde, il y a les 99 bottles of beer. C'est quoi? Tu sais, les 99 bottles of beer, t'as tout un site où en gros les mecs implémentent la chanson 99 bottles of beer on a wall, mais dans tous les langages. Ok, je connaissais pas cette chanson. Très bien. Je vais envoyer ça après. Et ouais, du coup, en fait, quand t'as un langage. Quand t'as un langage qui arrive, t'as souvent ce truc-là qui revient. Ok, c'est un peu comme le Hello World ou le FizzBuzz. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est le même principe parce que du coup, ça te fait de la récursivité. Du coup, tu vois comment le récursif. Okay. Qu'est-ce que j'ai reboot? Pas le récursif, mais la boucle. Qu'est-ce que j'ai reboot, Mono? Je vais lire en C parce que je comprends pas ce qui se passe dans leur langage. C'est déjà pas mal. C'est honteux. Faire 20 pour N. C'est pas très évident à lire. Jusqu'à 1. Quoi? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a l'output que ça doit faire? Ah. Et tu regardes quoi là du coup le langage de... Non là je regarde le texte, les paroles de la chanson. Ah. Affiché. Ah ouais d'accord, c'est un truc... De bière. Est-ce que ça gère le... Ah oui, après faut gérer le singulier quand t'arrives à une bouteille. Et gérer le cas de la fin, ok. Si n égale 2, alors... Sinon... Ouais, il y a un peu qui des si dans la même... dans la même ligne, c'est compliqué. Imbitable. Ah oui, le S1, c'est pour le singulier. Et S0, c'est pour le singulier aussi, mais de la phrase d'après. Je comprends même pas comment il choisit, qu'est-ce qu'il affiche en fait. Procédure strophe N, local S1, S2, chaîne S1. Zastrophe, c'est une fonction. Ouais. Ok, du coup, en fait, la strophe, c'est la fin de la chanson, en fait.
Non, strophe, ça te l'affiche pour n et n-1. En gros. En gros, ça t'affiche un. Bah, une strophe, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, d'accord. Il l'appelle strophe, ensuite il affiche machin, et ensuite terminé. Donc la fin du programme est au milieu, en fait, de la fonction. C'est ça. Je comprends pas pourquoi dans la boucle au début c'est faire 20. Bah, je comprends pas pourquoi il y a le. Parce que n de 4. Ah si, c'est pour dire. Bah, en fait, tu mets les trois premières lignes, c'est genre de l'information lambda. Faire 20, en fait, c'est le point d'entrée de la fonction. C'est le main, en fait. Faire 20, ouais. C'est pas la ligne 20. Fais strophe n, affiche ça. Oh la vache! Wouah! Pourquoi? C'est horrible. On avait dit que les trucs comme ça, il fallait arrêter. On ah ouais, mais mettre une référence sur la ligne. sur la ligne que tu dois appeler dans le code, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que le 99 Bottles? 99 Bottles, c'est une chanson qui dit bah, 99 bouteilles de bière sont sur le mur, j'en prends une, je la fais passer. Je vais coller un exemple de. Une strophe, c'est ça. Et après, tu descends le nombre, du coup, tu passes 98 et tu vas jusqu'à la fin. Et à la fin, tu dois afficher. Il est temps d'aller au magasin, apparemment. C'est ça. Ça, je l'avais jamais vu, je crois. Tu dois afficher ça à la fin. Et après, quand tu vas en acheter, t'en as re 99. Oui. Ah bien. Mais du coup, leur langage, pas convaincu, quoi. Carrément pas convaincu. Il date de quand ? Justification politique. Pardon. Ah, c'est un truc de 1982. Ouais. C'était pour essayer d'avoir un langage de programmation en français pour le rayonnement mondial de la France. On a bien fait d'arrêter. Il n'y a pas si longtemps que ça, le français c'était une langue vachement plus répandue internationalement. Genre ah ouais. Dans la recherche, les papiers, dans les années après les guerres mondiales, c'était beaucoup de papiers internationaux qui étaient publiés en français. Bah, normal. Ouais. Le français il a été langue officielle en Angleterre à un moment. Ah ouais ? Je savais pas ça. Mais genre le. On l'aura bien mis derrière. Le papier qui a fait l'algorithme de Dijkstra. Enfin, c'était un russe qui l'a fait, mais il l'a écrit en français. Il l'a écrit en français. C'est fou. Ça se fait trop, ça. Il m'a donné mal à la tête, ton programme, là. j'en étais où, moi, du coup, je faisais une paire. Component, pointeur. Donc, d'un côté, on a le pointeur, et de l'autre côté, on va avoir un NLC function. FX. Ça prend des arguments template. Bah en argument, tu dois mettre le prototype, ouais. Comme un. Tu dois mettre le prototype. Ouais. Comme un std function. Tu dois mettre ton type de retour et le type des arguments. Qu'est-ce que ça va avoir comme type ? J'imagine que ça va te renvoyer void. Et. Je sais pas ce que tu veux envoyer de temps, moi. Peut-être void aussi, non ? Bah en fait, vu que, comme je te disais, tu vois, si je dois appeler une fonction d'un objet, il faut que je passe au moins l'objet. Tu peux le passer dans le contexte, la capture. Ah. Ah oui, parce que là, du coup, c'est juste vraiment le... Les arguments. Les arguments. Et du coup, c'est plutôt est-ce que ton bouton contrôleur, il a besoin de donner des infos, genre quel est l'état. Enfin, je sais pas à quel moment tu veux l'appeler cette fonction, en fait. Quand il a appuyé. Donc normalement, okay. Oui, juste quand tu dois appliquer l'action, donc t'as pas besoin d'infos. Ce sera juste comme ça en fait, c'est ça. Ouais. Ça c'est la paire, et ça c'est le span. Voilà. Donc maintenant, normalement l'using c'est comme ça, hein. C'est dans cet ordre là. Tout à fait. J'en ai su.
mets un S à data. Ouais, je suis en salon. Mes yeux pleurent. Mais alors par contre j'ai bugué parce que je sais plus si mais normalement. Mais y a pas de S à data, c'est en invariant normalement, c'est ça? C'est déjà pluriel en fait data. Sérieux? Ouais. C'est quoi le singulier de data? Datum. Datum. C'est vrai en plus hein, mais c'est pas utilisé, parce que c'est plus utilisé comme un invariant, que c'est. C'est des, datum, des données quoi. Datum, genre DAT2O? Non, datum, UM. Datum, ah putain. Mais je crois que ça c'est pas utilisé, plus utilisé depuis ce moment. Attends, je vais mettre. Et je crois qu'on tu peux utiliser data au singulier aussi. Ah! Il y a eu ça. Des datum partout. C'est fini ces conneries. Et tu vois dans Lingui. Données au singulier traduisent par datum. I need to collect one last datum. Ouais, comme quoi. Ils sont attaqués. Hein. Donc en fait. Ah merde, non, je suis con. Ah, je vais pas. En fait. Je vais faire un seul vecteur. On va pas se faire chier non plus. Oui, bah. Parce que tu l'as en tête toi, mais j'ai pas pensé, puis en fait c'est mieux. C'est mieux d'avoir un seul vecteur. Bah oui, complètement, c'était l'idée. J'avais pas compris ça. Voilà. Aussi dans le CPP, ça récupère. Ouais, j'ai changé ça. Je l'ai pas assez changé, tu vois. C'est quoi, c'est component? Mono et perplexe. Qu'est-ce qu'on a 404 erreurs. C'est peut-être l'appel des biens aussi qui fait ça. Ouais, j'ai suivi de loin l'histoire et je me suis dit putain, ils sont chiés. Hein. De quoi? Rien, j'ai suivi de loin la discussion sur les bouteilles de bière là. Je me suis dit putain, ils sont chiés. Hein. Bah, parce qu'il faut présenter le. Genre, comment t'écris du code en fait. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais ça, c'est. Faut avoir des trucs un peu. Un peu standard, et ouais, comme disait GetGat, on a le Hello World pour montrer comment on print. Le 99 Bottle of Beer, c'est un peu plus évolué, parce que c'est au moins faire une boucle, et un peu plus tricky que juste une simple boucle. Donc tu vois un peu mieux comment le langage fonctionne. Ça. Après, ça reste quand même très succinct et très, très superficiel sur une découverte de langage. Quoi. Ligne 9, où ça va pas compiler. Oh le mec, oui. Je me disais, faut que je change tout ça, du coup. Bah, du coup, là, tu vois, ça a du sens maintenant de réserve la taille. Bah non, toujours pas. Bah pourquoi? Parce qu'il va falloir que j'itère sur le span pour pouvoir mettre. Ah bah non! Bah non, c'est le même type. Ah, c'est le même type, putain. Our actual song. J'ai oublié que c'était le même type. I'm not sure if it was a troll or actual song. Je crois que c'est une vraie chanson. On l'a pas inventé pour. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vraiment chanté en entier? C'est la question. Ah, ça. Et c'est un peu genre 1 km à pied, tu vois. Mais sauf qu'un kilomètre à pied, il y a pas de fin. Ouais, c'est ça, tu commences à 1 et tu t'arrêtes où tu veux. Là, tu commences à 99, t'es obligé d'aller jusqu'à 0. Mais en sachant qu'une fois arrivé à 0, tu repars à 99, donc tu peux continuer. Ouais. C'est juste que, du coup, nous, on n'a pas de limite, en mode, genre, il n'y a pas de cas particulier, arrivé à 100, on dit un truc particulier, quoi.
Et donc, sur le process action, ah, mais de façon, partout où j'ai des buttons d'atteint, là, il faut que je fasse point first. Ouais. C'est first, hein, du coup, pour accéder à la première... Yep. Sur ta place, je me ferai un petit helper inline pour récupérer la fonction. Tu as un truc pour que ça soit plus simple à écrire, genre button de currently selected, tu vois. Ou même un truc qui te renvoie directement le bouton courant ou la fonction courante. J'avoue, je vais peut-être faire ça. Faut que tu fasses gaffe parce que. Dans NLC fonction, tu peux mettre nul PTR. Et dans ce cas-là, quand t'appelles quand tu l'appelles, ça crache. Genre, seconde peut être nul, c'est ça ? Ouais. Alors, du coup, je continue ma connerie de trucs à la main. Certains, c'est. Que tu fasses explicitement différent de nul. Je sais pas si ça marchera. Comme oui, ça. Donc, les fonctions, on a dit qu'on allait renvoyer un NLC pointer. Ah oui, mais on a dit qu'il fallait faire des autos et tout ça. Ouais, tu peux carrément même renvoyer directement une ref hein. Sur le bouton widget component, comme ça. Ouais, je vois. Comme ça, il est simplifie encore plus l'écriture. Auto. Component. J'ai un peu paniqué là. Je vais vérifier, ouais, je suis pas sûr pour le NLC pointer, comme c'est pas très utilisé. Ça fait le taf. Après, je pense que getCurrentAction, tu peux le mettre en cons parce que faire l'opérateur d'appel, il va pas modifier ses functions. A priori, je pense pas que tu le modifies. Ah, genre, je peux renvoyer la function en const. Ouais. Et du coup, passer toute la méthode en const. J'allais dire le widget, par contre, c'est pas possible. Ouais non, parce que là tu vas modifier des états dedans. Donc pourquoi il a pas voulu... Non, ça a l'air d'être ça. C'est peut-être le point qui... Parce qu'il y a un crochet. Ouais, le crochet, tu penses qu'il aime pas. Ouais. S'il cherche des rejects. Parce que le point en pire, ça va être. C'est bien ça. En sachant qu'il faudra que je repasse, parce que derrière, il y a quand même. Des flèches au lieu de points. On aurait pu les remplacer aussi.
Mais j'aurais pu. J'ai pas envie. Du coup, c'est rigolo, ça. Ah ouais. Rigolo. J'ai un instant bug sur le current status là. C'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Mais oui. Du coup, ça fait un peu bizarre. Ouais. Bah oui, c'est pas souvent que t'appelles des trucs sur un retour de fonction, mais. On s'en fout un peu. Voilà. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu quand même. De toute façon, c'est quand même assez explicite qu'on récupère le component actuel, puis en plus on a fait varier le current d'avant. Ça va, on n'est pas non plus dans le truc le plus incompréhensible du monde. Là, tu peux le mettre aussi du coup dans le constructeur. En effet. Donc ça c'est bon. Maintenant en fait il faut que je change l'appel ici. Donc du coup je change quelques trucs. Ah oui, ça c'est chiant par contre. Bah non, tu peux faire un tableau de paire. Ouais, mais en fait, à ce moment-là, j'ai pas encore le menu contrôleur. Ah, tu peux pas créer tes fonctions ici. Eh ben... Oui. Et voilà, c'est l'oreille. C'est fait. C'est la catastrophe. Il est 58, donc on fait attention à l'heure, je pense. Ouais. Parce que là, du coup, ah oui, après, tu le passais directement dans le menu contrôleur, qui, dans son constructeur, passait le truc à... Ouais. De toute façon, tu peux plus le faire dans le constructeur, là, du coup. Bah, non, non. C'est plus possible, là. Il faut que tu le fasses à part. Mais du coup, ouais, c'est relou. Et du coup, ça veut dire que je peux plus le créer directement à la création. Tu vas devoir ajouter des méthodes pour set les actions. Et c'est chiant parce que dans le menu, là, enfin, une fois dans le contrôleur, tu sais plus quel widget est quoi. Pas besoin de faire quelle action. Le stock, du coup, quoi. C'est ça qui est chiant. Peut-être qu'il faut que le menu contrôleur il sache encore qui est le start et qui est l'exit. Chion. Oui. Ça. Tout le button contrôleur, je sais même pas comment je vais le faire en fait, parce que du coup bon, il faut que tu tout ce qui est les boutons et le les callbacks, tu les mets dans une face à un init ou un truc comme ça. Parce que du coup, lui en fait, je peux plus le créer à la création dans le constructeur. Il faudra quand même que tu l'envoies à l'allocateur, je pense, dans ce constructeur.
Bah, l'allocateur, j'ai pas le choix. Mm. Voilà, je peux lui envoyer l'input aussi, parce qu'a priori, ça... C'est ça. Bah, mais non, même pas. Ils sont init après, en fait. Ah oui. Putain, même ça, en fait, ça aurait pas marché. C'est chiant. Et pourquoi le init input, il est fait... après ? Il est compliqué. Exactement, c'est une raison fondamentale à ça. Non, là, tu peux ça, tu pourrais. Peut-être à cause de lui, tu vois. Normalement, il n'y a pas de souci, tu peux le faire dans le constructeur, ça. Ouais, je sais pas. Ce que tu pourras pas faire, c'est le input set active, mais bon, c'est pas bien grave. Ouais, c'est pas... Du coup, tu pourrais le faire dans le constructeur et envoyer quand même l'input ID dans le constructeur aussi. Du... Ouais, je crois que c'était pour avoir un parallèle entre le init et le deinit. Peut-être. Ah. Bon, puis de toute façon, c'est pas grave. Hein. Le button, il aura pas de. Il aura pas son truc dans son console. Ouais. Puis, voilà. Il aura un truc invalide. Et puis... Je pense que c'est jouable, mais ça risque d'être un peu lourd. Hein. Alors. Attends, du coup, ça veut dire qu'il faut. J'ai pas envie de mettre un boolean initialize de là. Non, t'es pas obligé, il suffit que ton truc soit dans un état stable quand il est pas initialisé. Là, si t'as rien dans les boutons, input invalide. Donc on a, priori, dit qu'on a ça à prendre à limite. C'est ça, hein. Et de input ID. Oh, là, input ID est dedans. Hein. Ah oui, d'accord. Process input. Bon, on va mettre l'initialize avant parce que. Initialize. 2. Sort. Tout sort là. Bien sûr, j'avais bien pris. Une parenthèse qui a. Qui a sauté, ouais, parce que je l'avais pas prise, hein, comme un sac. Donc, ça ici, on reprend, ça vient ici. Peut-être que tu peux assert qu'il n'est pas déjà initialisé. Genre qu'il n'y a rien dans les boutons de data. Assert message. Button data. Et la 0. T'as un isEmpty normalement. Ah, mieux. Avec un message explicite, ça c'est bien ça. C'est isEmpty du coup. Ouais. Du coup, celui-là en fait, ce serait plutôt après la append. Qu'il a besoin de runtime. Oh! Merci beaucoup, Youssef! Merci, Youssef, pour le follow. Oh! C'est sympa! Merci. Merci beaucoup, installe-toi. J'espère que tu as des questions. Même si on est sur la fin. C'est normal que. Depuis le dernier stream, là, il y a eu 4 ou 5 followers en plus, et il y a toujours marqué 41 sur le. Plus des follows dans la suite. Mm. Et aussi parce que les follows de la dernière fois étaient pour beaucoup des bots. Ouais, il y en avait 3 sur 4, c'était des bots. En vrai, 4 sur 4, si tu veux mon avis, mais... Ah. Mais on n'a pas de preuves, donc... Hop. Voilà. Oula, c'est invocatrice. Quoi, ces spells? Ah, on a une question. Salut, t'as déjà travaillé avec Flutter? Flûté, pardon, je sais pas. Si oui, tu en penses pas. Je connais pas du tout. Flûté. Bah, c'est pour faire du dev. Ça sent le bot, ça, monsieur. C'est mobile, hein. C'est pour faire du mobile, ouais. Web. Je connais pas.
connais pas, je fais pas de mobile. Du coup, c'est pour ça que je connais pas. Je connais pas du tout, du coup, je vais m'abstenir de répondre. Parce que j'ai pas envie de dire de la merde. Du gros caca. Ah. Blonde, certes. Fuseur Hamza, merci pour le follow, c'est sympa. J'espère que j'ai pas trop écorché ton pseudo. Très gentil. Merci à toi. Installe-toi. Vous venez un peu tard, les gars, par contre, malheureusement, vu qu'il est déjà 20h06, on va bientôt finir. Ouais, tant de finir la fin. Tout ça. Comment je peux. Ulor, tu peux, si tu veux tester quand un ID est valide, tu peux faire point is valide. Ah! Bah, ça marche aussi, hein, ce que t'as fait, mais. Ouais, mais is valide, c'est un peu plus explicite quand même. Ouais. Par contre, là, la c'est en Pascal case. Pardon? Ouais, il est pas conventionnel celui-là. Non, mais c'est is valide en plus. Is valide plutôt. Oui, on fait un jeu vidéo en fait, Youssef. Et les professionnels du code qui sont ici avec nous sont dans le jeu vidéo. Et. Ah, ok, you don't have any idea. So you follow a channel without knowing anything. Do you want me to explain to you? I will gladly do, if you ask me. And welcome, so. Don't worry, we were not insulting you. Ça... Non, je sais plus combien de PV je vais lui mettre. Vite, le template. Vite. I can understand what you're trying to do in this stream, but I mean that I don't understand French a lot. Oh, okay. Yeah, okay. Obviously, if you know what we are doing, I hope the image is not that pixeled or anything. I hope. And so basically, we are doing a video game, and how much can I say about us? Actually, if you have a question or anything, you can you could put it out. And if you didn't understand what you just did or said, you can ask. Alors, il pose la question, messieurs. D'ailleurs, c'est plutôt à vous qui devrez répondre à cette question, hein, parce que c'est vous les techos. Mm-hmm. Vas-y, Ulor. Ah, mais c'est... Tu veux pas t'en occuper comme ça, moi, je finis le code. Allez, Gat. Ah. yes, you're right, it's C++ 20. Attends. No. Okay. No, because Hamza, if you want to know, we were saying like, okay, because we are three on the stream. So I was asking like the two other that they are coding right now that you can see to explain to you what kind of language they were using, because they are the developers behind the thing. But you just succeed to have this answer of yes. It is C++ 20, so that's why we're laughing. No, so it's where Ulor is doing the coding, and I'm here to supervise him because he's using a framework that I am developing with other colleagues. Which the goal is to be a small game engine, and for now we are the only users, and we proposed Ulor to use it, so we could have some feedback on what is needed and stuff like that. So yeah, it's basically.
There are very few dependencies. We try to not use the STL because we think it's not really fit for video game developing because there are a lot of stuff to be handled, a lot of backward compatibility, the headers are pretty big. So everything we need in the STL, we make it with smaller files. So yes, that's the spirit. That's, the goal is to have something lightweight. And yes, that's pretty much the thing. And Ulor and North are trying to make a small board game in 2D. So for now, we only have the game is only the main menu with debug some debug text. And here we are trying to implement some UI behaviors. For now, Ulor is doing the button controller to handle buttons and action on them. So, yeah. If you have any questions, feel free to ask them. Pour ceux qui n'auront pas compris l'anglais ou qui ne le parlent pas, enfin plutôt qui ne le parlent pas, je suis désolé, excuse-moi, ça sonnait un petit peu dégueulasse ce que je viens de dire, enfin désolé mec, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai fourché parce que je suis en train de faire le... J'ai un accent c'est pas forcément compréhensible du coup. Non, t'inquiète, non, j'étais pas du tout... Non, c'est mec, je t'assure que j'ai fourché. T'as bien senti l'accusation. Non, justement, je voulais pas faire le bâtard. C'est quoi ce truc? Donc, en gros, ce que vient de dire Gadgat était visiblement fait pour expliquer ce que nous sommes en train de faire ici, et aussi qu'il est là en backup pour Ulor, hein, parce que il fait partie de ceux qui développent. Comment on appelle ça d'ailleurs le programme là? Déjà, le nom exact. C'est un framework, mais il n'a pas vraiment de nom en fait. Voilà, c'est un framework qui sont en train de développer avec des potes GetGat et tout ça. Et bah, du coup, il est là aussi pour nous aider un peu mieux utiliser son framework. Et donc, pour ce qui est du jeu, on fait un jeu de plateau en 2D qu'on essaie de mettre parce qu'en gros, en fait, le but de la chaîne aussi, c'est surtout pour montrer à quel point c'est, même pour un petit jeu amateur, sans prétention, sans aller essayer de chercher dans le ultra spécial, on fait un truc de ouf pour que ça marche, mais au moins juste en faire un, c'est déjà compliqué as fuck. Et du coup, on montre les diverses étapes de production, comme les discussions. On a les discussions du jeu où on se pose la question sur certaines règles et tout ça, en live. Donc voilà. Ouais, la capture est bonne ou pas? Oui. Pas obligé de faire this flèche dedans, tu peux faire juste go to next. Ouais, mais vu qu'on la capture, tu vois, c'est pour un peu expliciter ce qui se passe. Ouais, comme tu veux, ça c'est. Fuser, yes, we have. Ulor and me are working in video game studios. We have a few years working in video game industry as a background. What kind of senior now? Yeah, kinda. Yes. For the companies that you're working in, yeah, kinda. We can say that. Ça arrive de faire du web ou du mobile. Moi, le peu de web que je fais, c'est quand je suis vraiment obligé et forcé. Pareil. Le mobile, par contre, j'en fais à peu près jamais. Parce qu'il n'y a personne qui arrive à me forcer à faire du mobile. Le mobile, moi, j'en ai fait au boulot. Un moment. Ouais, il y a longtemps. Mais pareil, j'ai essayé. Il y a 5 ans, 6 ans. Comme ça. Ah ouais, c'était plus récent que ça. Ah, mais. Toi, dans une industrie bizarre aussi.
C'est ça, mais je suis essayé de faire au minimum, maximum du code qui était générique et de pas trop mettre les doigts dans le développement web, parce que surtout en C++, c'est pas très compliqué le développement mobile. Parce que tous les devices, enfin tous les téléphones ont des tailles différentes, des résolutions différentes, faut s'adapter à tout ça, c'est compliqué. Et moi non d'ailleurs par hasard. C'est jamais les chances de poser la question. Oui. Alors qu'est-ce qui diffère du jeu mobile à part le support? Bah à part le support, pas grand-chose. Hein. En fait, le hardware change en fait. Enfin, c'est ça. C'est pas vraiment les mêmes langages qu'on va pouvoir utiliser. Enfin, oh si si. C++ tu peux, mais je crois qu'il faut que tu le fasses quand même en. Passer par du Java derrière. Il y a quelques endroits où tu dois faire des ponts ouais, avec du natif, mais globalement tu peux faire tout en C++. Mais ouais, ce qui diffère bah, aussi, c'est le type d'input que tu as sur mobile, parce que c'est que du touch, du tactile, donc c'est différent du clavier et souris. Et puis après, ouais, c'est les écrans, gérer tous les écrans de la Terre. Parce que là, les écrans, il y en a un par an qui sort avec des nouveaux, soit des nouveaux DPI, soit des nouveaux, des nouvelles tailles tout court. T'as aussi des zones mortes sur les écrans que tu peux pas utiliser. Donc soit parce que des fois l'écran est pas carré et par exemple en haut ou en bas t'as des petites encoches qui sont pas des pixels. Soit t'as des zones qui sont interdites. Par exemple sur iPhone, t'as une zone en bas au milieu où t'as une barre système qui est là et du coup là tu peux rien mettre de cliquable. Il faut pas non plus que tu mettes des informations qui sont des informations de jeu. Tu peux afficher des textures et des trucs comme ça, mais pas des informations de jeu. Et aussi un truc qui est très pénible avec le développement mobile, c'est gérer la publication sur les stores. C'est pas évident, alors que sur PC, tu vois, tu fais une archive, tu la mets sur le web et puis tu télécharges et puis voilà quoi. Ouais, encore que sur PC, tu peux aussi faire valider ton... Ouais, tu peux aussi passer par des plateformes. Mais c'est pas obligatoire. Alors que sur mobile, t'es obligé de passer par les stores officiels. Alors, tu peux sur Android, tu peux passer par pas le store, mais ouais, mais ça demande une comment dire à l'utilisateur de faire beaucoup de choses. C'est ça. Des trucs qui sont vraiment pas safe. Tu touches quasiment personne, quoi. Alors que sur PC, si tu passes pas par une plateforme, t'as plus de chances de toucher du monde quand même. Si tu peux avoir un installeur sans être sur une plateforme ou quoi que ce soit, et c'est pas grave. Donc il y a quand même pas mal de trucs qui changent sur le mobile, et le mobile c'est chiant. Et il faut gérer sur les plateformes tout un tas de certificats, notamment les trucs Apple là, qui sont une plaie. Et en plus c'est payant, je crois, pour publier un truc sur l'App Store. Ouais. Sur Android, je crois qu'ils voulaient à un moment, mais je crois que c'est resté gratuit. Ils voulaient le faire payant aussi Il me semble, je suis pas sûr, mais ça me dit quelque chose. Ça, okay. Incroyable. Et voilà. Alors, release. Simplification de code. Incroyable. J'ai pas du tout suivi ce que t'as fait là, comment discuter. Je suis en train de tout déplacer les inputs. Genre, on a commencé à appuyer, du coup, on passe le truc en prest et c'est tout, okay. Tout simple. Il faudra peut-être penser à aller sur la fin du stream. Je oui. pense. Parce que là on tire, on tire. Mais là il fait 20h20. Et on a toujours pas compilé une seule fois. Si, j'ai compilé une fois, mais il y a au tout début, donc ça okay. compte pas. Android c'est 30€ et t'as une licence à vie, ok. C'est plus abordable que Apple Store. Après je suis pas très à jour. Ouais après. Je crois que c'était un truc à une licence annuelle, il me semble. Et c'était genre 90 balles tous les ans, un truc comme ça. Peut-être ça a changé. Du coup, c'est pandémie, maison, build. Oh, il va tenter le build. Tentative du joueur français. Ah non, d'accord. D'abord, on ajoute les fichiers.
Bah, il faut le rajouter à la compil, sinon ça ne fait pas de compiler. C'est quoi, c'est le button controller, donc. Ici, il va avoir besoin de l'include. Ah, c'est dommage, ça. Ça, c'est une question, du coup, pour toi, Youssef, qui a l'air d'être là. C'est comment tu es arrivé sur ce stream? Ça peut être intéressant. Ça a jamais compilé, ça. Qu'est-ce qu'il fait? T'as fait une dépendance cyclique? Non. Non, ça va. Non, parce que le button controller, il est sur l'emplace controller. Par contre, tout est niqué, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Je vois pas la fenêtre de copie. De... Ah ouais, tu les montes pas. Ah si, c'est bon. Eh mais c'est que t'as oublié des includes, c'est pas bien méchant. Pour le moment, c'est que ça. Dialect pair bien sûr, non? Tout à fait. Parce que j'ai un peu tracé pour essayer de finir le truc. Mais... Ta fonction aussi là. Fonction je l'avais pas fait, merde. Non. Fonction pour le coup c'est dans Fundamentals. Tout à fait. Ah, tu vois, en revenant de vacances, t'avais un peu de mal, mais c'est reparti. Ça revient, tu vois. Ça redémarre. On est fouet. Ouais, je suis tellement nerveux. Alors, c'est impressionnant, mais c'est pas autant. Ok, donc t'as trouvé le stream dans Sciences et Technologies. Cool. It may be impressive for the amount of errors, but kind of easy to fix. Declared inputs. J'ai pas pris les inputs. Inputs. C'est axis inputs. Puts. Pour inputs action, je sais pas si c'est axis. Why not using STL? Ok. So like I said, STL has really big headers that may slow down the compilation time, and compilation time is a real issue in I don't know in software in general, but in video game development. So they have a really big headers because they have backward compatibility and exception handling and a lot of stuff that we don't really need. So that's why we make our own files to have something more light. And it's easier to read also, and yeah, more flexible. And also there are some design patterns that we did not like. So it's a way to implement the things as we want. Yes, we have a meta programming library. C'est la refacto de structure en classe, tu vois. Et ouais, bah ouais, du coup, ouais. Ah, du coup, j'avais pas fini. Flutter, c'est ça le but, ok. Ça permet de, si je comprends bien, du coup, de simplifier le portage dans un peu toutes les plateformes et. Ok, ça peut être sympa. Tu parles beaucoup de Flutter, tu travailles dessus ou c'est que tu l'utilises et. Tu trouves ça cool. Spécialité spéciale. Ah oh merde, mais non, c'est pas ça que je veux faire. Eh bien, ne le fais pas. Et ben voilà. Hein ? Non mais alors ? Incroyable. Ah, c'est...
petit i et Ah oui, pardon, j'ai pas fait gaffe. On the top right, it's a website. It's Aeroforge, the website that allows to model some characters. So North is using it to make some visuals for the characters. Well, that I but, can answer. Yes, I let you. Yeah, because basically we are using this website to do some mock-up or to have some visuals to after that when we will have to actually use an artistical direction for the visuals. We'll have things to give for example for the concept artist or even the for the designers or whatever like that. They will have a visual, something that we were thinking about it, and like that we would have more in documents to give them. So that's why. But in the meantime, actually, I'm not just doing some figurine or some action figures for my own games. I am actually the one writing the rules, the abilities of the characters, or even the traps, or even enemies, all of that kind of stuff, and then the lore. Basically, I am doing the also the game design document. So I am the part with no codes at all, if I have to be honest. That's why you're not listening to me talking about the code and the more scientific facts of our work. En tout cas, des engines JavaScript, eh ben, personnellement, je ne pense pas grand chose parce que je ne connais pas du tout. C'est du web. Pas du tout, ouais. Right now, it's Ulor coding. Pour ceux qui a plein d'erreurs. Hein. Qu'est-ce que c'est ces erreurs? Ah, ça doit être. En fait, il est en train de dire que Vector peut pas instancier une fonction. C'est normal. Fais voir comment tu l'initialises déjà. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'initialise quoi? Ça en fait, c'est ici. Où il fait ah là, j'ai pas le droit de faire ça. Quand tu fais le happen from. Je reviens. Parce que à ce moment-là, on demande. Il faut que tu fasses un move et à l'open from, fais une copie. Du coup, peut-être qu'il va falloir que tu itères à la main. Ah, tu vois. Je vais vérifier s'il n'y a pas un. Ouais, ça fait une copie si c'est pas trivially copyable. Du coup, si je fais le append simple, ça marche. Faut que tu fasses un move. Il est pas trop d'accord. Hein. Faut que tu fasses un move. Dans le append, du coup. Ouais. Ouais. Je sais pas si. Move la paire, ça suffira. Ah mince, j'ai oublié. A priori, ça peut. Sinon, ah, je suis pas d'accord parce que. Bah non, parce que du coup, en fait, faut que je fasse un autoref. Sinon, il va essayer de la copier oui. Aussi. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être passé. Maintenant, il me fait chier sur. Unique PTR, t'as pas les bons arguments, je pense. Ouais, ça a dû changer, ça a dû évoluer, ça. Maintenant, on a quoi, Start with. Et parce que tu lui envoies toujours le span, je pense. Ouais, non. C'est possible que je croyais l'avoir changé, mais j'ai peut-être. Non, non. Non, c'est ce que j'envoie à la loc. Mais j'ai besoin de l'allocateur, donc. Il faut l'envoyer, faut que tu l'envoies deux fois. Une ouais, fois mais il l'a envoyé deux fois. C'est juste que le header, lui, il sait pas qu'on prend l'allocateur dans le. Ah oui. Ok, ok. Par contre, l'instance, elle a pas le, elle a pas les widgets. C'est le Dawa un peu. Il y a eu quelques. Pour coder des jeux vidéo, est-ce qu'il faut être bon en OPP, programmation obligée?
La programmation en BIOS, c'est un concept qui est de moins en moins utilisé dans le jeu vidéo, en vrai. Parce que on fait plus maintenant des concepts plus à la mode. C'est plus les concepts de type ECS. De l'agrégation, en fait. De l'agrégation, ouais, plutôt que de la hiérarchisation, de l'héritage. Parce que ça permet de faire des trucs, de faire plus de combinaisons. Et aussi, niveau performance, c'est plus mieux. Parce que l'héritage, ça coûte. C'est plus meilleur. Hein. Voilà. Pardon, je vais aller chercher un truc parce que je commençais à crever de faim. C'est vrai qu'il est 8h30. Là. Bah oui. Il code pas assez vite. Il faut toujours pas, putain. Il faut que je double de références. Mets tout en mode attaque. Ça, c'est l'optionnel, ça. Non, il veut toujours est-ce que c'est un optional pointer? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que tu vas faire? Et alors, tac. T'as mis deux arguments au lieu de. T'as pas sauvegardé le header, je pense. Ah, tu penses qu'il est pas sauvegardé? Parce qu'il te demande toujours deux arguments. Ah oui. Ça devait être ça. Ça doit jouer. Les menus, DCLS controllers. On a dit, ah, déclare. Parce que j'ai oublié un A. Ah oui. Is it a cross platform and have an implementation for both OpenGL and Vulkan? Demande Monsieur Fusor. Yes, so it is cross platform because we use it on Windows and Unix. And we only have an OpenGL GL implementation. No Vulkan for now. And it's not planned because we have other stuff to do before going to Vulkan. Perfecto. Pourquoi tu devais compiler là? Pourquoi tu refacto? Non, c'est parce que j'ai oublié de supprimer ce qu'il y avait dans le process input qui a été déplacé dans le Python controller. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, t'as oublié de mettre l'allocateur dans les fonctions. T'as mis juste la lambda. Ah, il faut un allocateur? Ouais. Oh, j'ai plus d'allocateur là, tu me fais chier. T'as toujours un allocateur. Faut que j'envoie l'allocateur. Puisque tu le stockes dans le constructeur. Je le stocke pas dans le constructeur, qu'est-ce que tu me racontes? Bah il faut que tu le stockes. Ah oui, donc tu l'envoies. Ah oui, non, là, ok. Oui, parce que là j'ai encore accès, donc en vrai, pour le moment j'ai pas encore besoin de vraiment le... Le stockat. Du coup, il faut l'allocateur en premier et ensuite... Ouais, c'est ça. Ça, ça arrive à le comprendre normalement, il est pas débile. Faut mettre des accolades plutôt, je pense. Oh merde. Allo? Mais qui rajoute des R comme ça. Oui, bah désolé, j'ai vu que j'étais en replace. Ça arrive, ok. Je crois que j'ai. D'ailleurs, j'ai viré pas la bonne. Non, ça a l'air bien. Il manquait une parenthèse. Ah. Mince. Là c'est pareil, tu vois. Parenthèse là, elle devrait être après. Sauf que là, du coup, j'ai pas changé le header. C'est pas ici. T'es là. On va y arriver, hein, putain. C'est un peu long, ouais, deux heures dernier, en fait. Quoi. Sans compiler. Et donc là, il dit quoi? Construction, initialize, putain. Il fait template, Q2. Oh, faut que je lui explique la fonction. Faut que je lui dise, ah, c'est une fonction. Bah, j'ai l'impression. Normalement, il peut. Peut-être faudra voir après ce que tu peux enlever, mais déjà blinde le truc pour que ça compile.
Presque. Pas plus d'accord. Hein. Parce que tu essaies de convertir d'une paire vers un pointeur simple. Parce que c'est... Comment ça j'essaie de convertir d'une paire vers un pointeur? Bah le type de ton tableau est pas bon. Ah c'est ici là en fait. Du coup effectivement. On blindera après. Hein. Tellement pas d'accord. Alors, je vais pas te construire le pointeur. Pourquoi? Mais en même temps, putain, c'est un pointeur, je lui envoie un pointeur, c'est normal que... Enfin, c'est ce qu'il voulait, non? Ouais. C'est juste NLC pointeur qui pète un câble et qui me fait c'est pas un pointeur, ton truc, là. Non? Ah oui, voilà, c'est mieux comme ça. Alors. Juste un pointeur qui pète un câble et qui fait oh, je sais pas construire un pointeur. Ah mais non. Vas-y reviens à ton code. Attends, juste pour... Comment tu construis un NLC pointeur? Y a pas de log, c'est dans dialect, c'est ça? Ouais. Bah tu peux le passer à un pointeur, tu fais un NLC pointeur. Mais t'as laissé le type. Qu'est-ce que... Ligne 96 là. Tu déclares ton tableau, tu mets pas de mot type. Ah oui, bah oui. Bon, forcément. Forcément. Putain. Trop de changements en une seule session. Bah non plus. Quoi? Faut que t'enlèves un NLC pointer. C'est juste des... Ah merde. C'est parce que on en a plus besoin. Il a pu savoir qui est sélectionné. Code de private contrôleur. Ah, menu flow controller, tu l'as rendu en classe aussi, non? Ah oui. Et ouf. Public. Quoi ça mais... Ah. Ah, en même temps... Ah voilà, non, putain. Ah. Attends, parce que j'ai pas fait le destructeur du... Ah ouais. Est-ce que t'as besoin de faire quelque chose? Non, je crois pas. Pas spécialement. Un peu égal default. Ouais, j'ai hésité, puis après je me suis dit bon, nick. Là, ça va péter de partout, du coup. c'est quoi ce build lang pandémie. Si ça pète on arrête. Et si ça pète pas on arrête aussi. Oui. C'est la fin. C'est la fin des haricots. Voilà, ça a pété. Là. Button data is empty. Ah t'as appelé plusieurs fois le initialize. Non mais je suis juste... Mais non mais c'est juste qu'il faut, en fait, pas enlever, faut enlever égal 0 quoi. Normal en fait. Normal qu'il soit un petit... Je me saoule des fois. Hein. Je me saoule. Je vais pas mentir. Hein. Du coup t'as pas arrêté. J'ai vu. Ouais j'ai triché. Parce que les asserts c'est bien, au moins tu sais ce qui va pas. T'as ouais. Pas à débugger, tu vas juste à l'endroit tu fais... Ah je suis juste con en fait. Oh ça marche. Et du coup oh là le bouton est forcément sélectionné. Oh là là. Putain ça marche oh là là. Du premier coup. Oh là 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 là. Ouais y'a eu la cert, ça marche pas vraiment du premier coup. Mais la petite mimole. Mais pas mal quand même. Pas mal. Ça a presque compilé du premier coup aussi. Ouais non là faut... En vrai je pense que j'aurais pas fait la refacto en même temps que tout le bordel du button controller. Ça aurait peut-être été plus simple. Oui. Parce qu'il y avait pas mal d'erreurs qui venaient de ah là là t'appelles une fonction constructeur. Et bah c'était fort marrant. C'était un peu speedy à la fin quand même parce que putain. Mais il est 20h40. J'étais pas prêt pour ça. On était si proche du but, mais en même temps si loin. C'est ça.
Mais maintenant, on a des button controllers plutôt stylés. Hein. Il n'y a plus qu'à faire. Il faudra faire l'input sous la souris. Qui sera beaucoup plus simple à faire maintenant, en vrai. Parce que du coup, tu m'as dit, la souris, on peut juste demander sa position. Ouais, et après, tu branches des inputs comme une touche, quoi, sur les boutons. Donc là, le truc, c'est qu'il faudra que je rende le currently selected optional. Parce que si ta souris elle est pas sur un bouton. Ça dépend en fait, tu peux avoir un truc qui est toujours sélectionné, et juste quand la souris passe sur un autre, ça sélectionne celui-là à la place. Ouais, c'est possible aussi. Comme ça, tu peux toujours interagir au clavier et puis. Ce sera peut-être une option du contrôleur en vrai. Mais ouais. Ce sera pour la prochaine fois ça. Uh-huh. Tout à fait. Mardi. Uh-huh. Mardi 7. Mais voilà, c'était marrant, on s'est bien amusé. Moi je me suis bien éclaté. Putain, il y a encore des gens qui cherchent des games françaises là. Mais oh là là, bon écoutez, je crois qu'on a compris. Un petit mot de la fin, messieurs. Tartan pion. Frivole. Pas mal. Bon, sur ce, merci d'être venu. C'était sympa. On a complètement débordé au niveau horaire, mais. En tout cas, ouais, voilà. C'est pour toutes les fois où on fait des streams d'une heure et demie au lieu de deux heures. Voilà, voilà, on a essayé de compenser. Pas très fair play. Hein. Des cadeaux. Des cadeaux. C'est cadeau. Ça, c'est cadeau, c'est pour nous. And thank you for the non-French speakers that came by and to watch what we are doing on the stream. And thank you for the following also. Donc, on y vax ? On va manger ? Oui. Eh oui, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée, messieurs dames. Bonne soirée, have a good night. Bon appétit. À la semaine prochaine. Tchou tchou. Tchou.